Ça, là, vous n'avez même pas idée comment est-ce que ça fait plaisir à un explorateur. Écoute, Urbaine Exploration Outaouais va vous faire découvrir cet été autant de belles choses que vous voyez là. C'est juste de la glace. Okay? Ici, tu peux sentir une température peut-être de zéro. Okay? L'autre côté, il fait plus de 17. Au soleil, il fait super chaud. Ben, il n'y a pas de vent, il n'y a pas rien, je suis dans un trou là. Regardez-moi le trou. That's what this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming up the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock steady beat of madness. Je me prépare à descendre en bas là. Je me prépare à descendre, mais j'ai comme un petit problème. Il est là. Pas grave. J'y vois quand même. Je vais juste attendre qu'il tourne de bord, puis je vais descendre. Et voilà. 1, 2, 3. On y va? Ok, yes! Bon, je suis venu à bout de descendre. Écoute, il y a bien du monde qui travaille là-bas. On est lundi 23 avril 2019. J'ai venu à bout de monter. J'ai venu à bout de descendre. J'ai tout fait les tests avant. Tout va bien, je suis en bas. Regarde-moi l'arche. Yeah.
Wow. Wow, wow, wow. Voyez ça derrière moi. Regardez la buée. OK. Immense. Il y a de la glace. C'est juste de la glace. Il y a de l'eau en dessous. Écoute, c'est une place où on va faire voler le drone. L'aventure est là. Ça, là, vous n'avez même pas idée comment est-ce que ça fait plaisir à un explorateur. Écoute, Urbaine Exploration Outaouais va vous faire découvrir cet été autant de belles choses que vous voyez là. Je m'en passe en kayak. Je vais aller avec le drone. Écoute, regarde-moi ça. C'est juste de la glace. OK, ici, je peux sentir une température peut-être de zéro. Okay. L'autre côté, il fait plus de 17. Au soleil, il fait super chaud. Ben, il n'y a pas de vent, il n'y a pas rien. Je suis dans un trou, là. Alors, regardez-moi le trou. Oui, je suis tout seul. Je suis un vieux loup solitaire. J'aime ça faire mes explorations tout seul. Comme ça, ben, je peux prendre le temps que j'ai besoin. Mais j'aime ça avoir du monde avec moi aussi. Ici, je n'ai pas été prudent, j'aurais dû emmener quelqu'un avec moi. Tous les dangers ici sont assez élevés. Mais je suis prudent, j'ai l'équipement besoin, j'ai une trousse de premiers soins, j'ai mon téléphone, j'ai tout ce qu'il faut, il me manque de rien. Fait que je vous laisse visiter. Ça va être dur, ça. Ça va être dur d'aller dans ce coin-là. Il y a bien de la branche. Puis on va choisir un autre spot. Petit conseil comme ça, avant de descendre d'un trou quand on est tout seul, on texte toujours 2-3 personnes pour leur faire part où ce que t'es, qu'est-ce que t'en vas faire. Puis t'attends qu'ils t'aient répondu comme quoi qu'ils sont là. So, là après ça, tu peux descendre avec la conscience tranquille. Tu as ton téléphone, puis tes avis que tu vas sortir dans une demi-heure, puis tu vas les retexter. Comme ça, ben, dans une heure, si tu n'es pas sorti, ben, ils vont pouvoir venir voir pour toi.
ces trous-là. À l'été, je vais venir avec en kayak. Puis une lampe, on va rentrer là-dedans. Une porte de char fermée bien proche de moi. On va pousser du mur un peu. J'espère que j'aurai le temps de prendre une photo 360. Ok. J'entends pas parler. Je vais retourner dans la grotte, je vais aller prendre une photo 360. Après ça, on va remonter. Il commence à être chaud ici.
Accompli. Pense à pas trouver ça en bas là, le trou. Il va falloir venir investiguer ça un peu plus avec quelqu'un. Il y a des graffitis partout, ça veut dire qu'on peut marcher quand la période sèche en été. C'est souterrain. Écoute, il y avait une usine ici, je sais pas c'était quelle usine ou qu'est-ce qu'elle faisait, mais débile. Hey, si vous avez la chance de descendre dans des trous comme ça, là, puis visiter, là, on sait jamais ce qu'on peut trouver. J'ai trouvé une grotte. Bon, c'est fait, je suis descendu, je suis remonté, tout a bien été. Ma vidéo, je suis pas satisfait. Ma vidéo sera pas complète si je vais pas prendre une marche sur le top de ça. Parce que tantôt, j'étais en dessous de ça. En bas, là. Ma vidéo va être complète juste si je viens à bout de marcher là. Plein du monde qui passe aujourd'hui, c'est très passant. Bon. Rentrer, c'est tough. Tough sous le linge. Sortir, c'est rien. Et me voilà. Juste être ici, je peux dire que ma vidéo est complétée. Quand on est explorateur, on l'est jusqu'au bout. On l'est jusqu'au fond. Drôle, je sens mon linge se faire déchirer. Ah, oh, c'est pas drôle de vieillir. Eh bien. C'est fait.